Bonjour la famille. Je vais mettre une vidéo. On va la regarder ensemble. Et après, on va en discuter. Suivez mon regard. Le frère est venu dans la chambre du parlement. Le frère est venu dans la chambre. Le frère est venu dans la chambre. Je suis le premier tué. En allant, éteindre le feu, j'ai tout laissé dedans. Je n'ai même pas eu le temps de le tout un camp comme ça. Qu'est-ce qui s'est même passé? La deux parents ne peuvent même pas gagner. Le bois, ça a tout fait. Ça se voit. Le bois, ça a tout fait. Le bois, ça a tout fait. Vous voyez là, la concession de quelqu'un, la sueur du front de quelqu'un, ce qu'il a travaillé peut-être toute sa vie. Quelqu'un a mis feu sur ça. Pourquoi? Un locataire, pourquoi? Juste parce qu'il fume le banga dedans et l'odeur indispose toute la concession et les gens se plaignent chez le bailleur. Le bailleur lui donne un avertissement que non, ne fume plus des histoires là, ici, parce que ça dérange les locataires. Plusieurs fois, le bailleur attire ton attention là-dessus. Ça l'énerve. Tu sais, quand un jour il a fumé, sa tête, ça l'a pris dans la tête. Il dit, je vais mettre le feu ici. Il a mis le feu, voilà ça. Il brûle, ça brûle. Toutes les économies de quelqu'un. Donc vous imaginez. Vous qui êtes en Nairobi là, vous cherchez l'argent. Imaginez, vous rentrez. Vous construisez votre maison. Ah, vous répétez l'étage. Ah non, j'ai investi. Non, voici la sueur de ma front. Je suis allé en Europe pour chercher. Et puis quelqu'un met le feu comme ça. Et vous croyez que celui-là va le faire quoi? Il va rembourser. Il va la reprendre nous. Je suis que celui-là avait même déjà les aérés, même de loyer seulement là-bas. Non seulement tu as les aérés, mais tu indisposes les locataires avec les odeurs du banga. Voilà, il a détruit la fortune de quelqu'un comme ça là. Il se débrouillait. Donc imaginez-vous, vraiment, passez le temps à travailler peut-être en Europe, vous rentrez, vous mettez un projet en tête, un locataire vous met le feu sur votre truc. Les procédures judiciaires, ça tarde au Cameroun comme si, comme si on attendait. Je ne te dis pas alors les assurances. Assure même l'immeuble. L'assurance va faire quoi? Tu vas. Aïe, l'Afrique. L'homme africain est terrible. Ah, l'homme noir. On peut faire ça à Adama. Tu brûles, tu mets le feu sur la maison de quelqu'un parce qu'il t'a demandé de ne plus fumer là-bas. C'est ça. Yes. Voilà les investissements de l'homme comme ça là, à terre. Vous voyez, les gens ont perdu les documents. Voilà celui qui faisait le témoignage que tout est là-bas, tous ces trucs sont là-bas dedans. Là, celui qui a même le tueur là, qui essaie même d'être. Vraiment, les pompiers, les sapeurs-pompiers alors au Cameroun, pour arriver, c'est quand la maison est déjà décimée qu'ils arrivent. En tout cas, la famille. C'était juste manière de partager ma pensée sur ça. J'ai vu ça, ce sujet-là, ça a attiré mon attention parce que nous qui investissons dans l'immobilier, là, ça m'a fait penser. Hein? Oui? Donc, tu vois que vous voyez que donc, la possible solution, ce n'est pas concentrer ses œuvres sur un seul panier. Fais un petit projet, essaye, tu fais de l'autre côté. Quand tu concentres de toute ta fortune sur un seul immeuble là. C'est dangereux, hein? Parce qu'un peu d'ici, il met le feu comme ça là. Il met lui le feu, il s'en fout. Lui quoi? Vous l'avez dit qu'il faut l'amener en prison. Il continue là-bas même à fumer son banga là-bas. Il a même la nourriture gratuite là-bas et tout. Tu vas faire quoi? Ton investissement est dans l'eau.
Ah, en tout cas, la famille. Oh, likez, partagez. Hein. C'était juste ma petite pensée par rapport à cette vidéo-là. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo.